Ah, bah ça aurait été chaud. Non, c'est pas du Norabad Rangwar quand même, parce que tu prends pas l'épée. Tu vas pas chercher le bombe chou, tu prends la bouteille. Ça a pas grand chose à voir avec le Norabad Rangwar, par contre c'est exactement la même chose que le Norangwar. Ça ressemble au Anipourson. Et enfin, c'est une route classique, par exemple en bingo quoi. Tu rush en adulte en gros, c'est ça. Yes, Fire, I would really like to see this category in the speedrun. But it's probably never going to happen because the speedrun is super slow. Fire, but I'm afraid, like, I don't think people are going to run it unless it's on the leaderboard, you know, just like the way Aldengen and Ganonless were added. Like, basically, if someone important in the community think it's worth it to run the category, it's going to be added in the leaderboard. Like, no one was running Aldengen before a few people started to do so. Like, basically, Molotov and Sockfolder made up Aldengen from nothing. And basically Molotov and Pydox were the only two to run this category alongside with Chain. And like, they weren't even thinking about adding it on the leaderboard. Like, very few people run Aldengen, and yet it appeared on the leaderboard for some reason. It's the same thing with Ganonless. It was not on the leaderboard for a very long time because going to the credit is not legit, blah blah blah, it's an old Anipourson, blah blah blah. But suddenly Cosmo and ZDFG shows interest to this category and up, it's on the leaderboards. And the thing is, when it's on the leaderboards, a lot of people start running it because, you know, it's on leaderboards, so let's run it. It's the same thing with Glitchless. Very few people would run Glitchless before it was added on the leaderboard. Glitchless is probably the only category where it was added because there was already too much people running it. I don't know, leaderboards and Zelda speedrun are super strict. It's weird. Oh, nice. Oh!
Yes, affair. It's weird. I mean, I can understand why Emu is not verified. I mean, the timer is still on the leaderboard. Verification doesn't really mean anything anyway. And like, IQ runs getting verified, I feel it's good. I mean, the thing I don't like though is simply, why would you run on IQ? I mean, okay, it's faster, but why? Why would you do that? It's such an obscure version of the game. It's like, you run on the fastest time because you want to be competitive, right? You want the fastest time. But you run on the version that no one plays. Except a few people. It's completely the opposite of competition, in my opinion. And it creates a lot of sub-community in the entire OT community. Like there is the emulator community, VC community, N64 community, IQ community, no, I guess, even though it's really, really small. And like, everything is on the same leaderboard. I mean, of course, you can sort of the run to see what you like the most, but I mean, I don't really like the way leaderboard works for OT. I'd rather like to see something like the Super Mario 64 community did. Like, basically they said the only legit version to speedrun is N64. I mean, there is a VC version, it's faster, it's official, but no one ran on that because it's not the best version to run on. Simply because N64 allows so much more gameplay mechanics, lag reduction strat, and like, you kind of have that to an OT, but it's really minor when you look at SM64. I mean, it's obvious that the best system to run this game is VC so far. I guess maybe except for a few categories. But still, I think it's weird that we have so many different systems. I mean, the best one for competitive gameplay, competitive speedrunning is VC, I think. Because it's so easy to get. The least expensive as well. Unless you look at Emu, but that's not official. So I don't know. Yeah, maybe Emu is faster than VC, but Emu is not official, right? So in my opinion, all emulator runs should be discarded from a leaderboard. Not because they are not legit runs. I used to run on Emu after all, but because you need to pick up something that can be run by everyone competitively, like everyone on the same level, you know, not an advantage because of one version or another. And you want a leaderboard with only official release because that makes sense. Like, you're not going to do a speedrun of a game from A to Z where you watch the intro and the credit, and like, you know, the goal of a speedrun is to do a good run. You can't do a good run on an emulator, it just doesn't make sense.
Yeah, exactly, Sapphire. It's better to only have one system to play on. Even if it's not the fastest for some categories or for some whatever reason. It just makes having a leaderboard not pointless, I mean. Right now, OOT leaderboard is really pointless because you can't compare times. It makes stuff really complicated. But you know, this is a very complicated thing because a lot of people can have different opinions on that, and not every opinion is good or bad. Like, a lot of different opinions can be both good. It just depends on where you look at. Hey, Exosorum. But yeah, I still think that the OOT community regarding leaderboards could do a better job. Even if it's hard or complicated, or if it requires breaking the community in some way, like. Yes, if you allow only N64, a lot of players are going to be mad. Or if you allow only VC, a lot of players are going to be mad. But I think it's necessary for the community to grow up as a competitive speedrunning and stuff. Not that is that that's not very important anyway, but still. It seems that this is the direction the community wants to go towards competitive stuff. So I don't know, I think the community is trying to do a lot of stuff at the same time and it's not working out. But yeah, whatever. Having completely separate leaderboards for system is probably the best, yeah. And that's the thing, you can already do that on the actual Zelda speedrun leaderboards. You can choose to see only VC times or only PAL times if you want to, or only English time or only IQ times. But the problem is, people care about the fastest time right now, no matter what system it's on, and that's why when you load the leaderboard page, you see an IQ time in the first place. And I think that's a problem. When you load the leaderboard, you shouldn't see any times at all. You should be able to choose directly if you want to see VC times or N64 times or whatever. Or at least shows the first blast, the first place of each each system. Like right now, an IQ time can be first and a VC time cannot be first at the same time, and I think that's a problem because that's not two things you can compare, or rather you can compare them but there is no point. It's like running a race, you know, 100 meter race, and there is that guy that run super fast because he has a good starter or whatever, he has like magic shoes that makes him go super fast, and then next to him there is that guy that doesn't use those magic shoes, but like he's very close to that man with the magic shoes, so close that you can see those time at the same time, like
is very close to him, and when they race each other, they are always very close. But the thing is, he barely ever gets first place because, well, he can't. He is slower by default, you know? So making them run against each other is pointless, in my opinion. No, Sapphire, of course your opinions matter. It's not because you are on the leaderboard or running a leaderboard or not on the leaderboard, like all opinions matter. What matters is you care about this subject. So of course your opinions matter as well. Kind of Sapphire, but like, the main problem is how the community views the best times, you know, the world records or whatever. But to solve this problem, you have to change the way people think about that. And it's not easy to do that, not at all. But having a better system for displaying leaderboards is a first step, I think. Not saying that the actual leaderboard is bad or whatever. It was good for a very long time, but I think it's not good anymore. Not as much. Okay, the split is actually very good so far. Up a little bit, but whatever. Hey.
Good donkey at least. Bon, ouais, Toligwen, mais c'est pas la même route que d'habitude aussi. Si tu fais gaffe, quand j'ai commencé la race, j'ai pas fait le petit saut après avoir parlé à Dampé parce que j'étais déjà par terre en fait. Donc c'est un petit peu plus rapide de commencer par la droite. Si tu commences par la droite avec une épée, tu peux faire 46 easy. Droite ou gauche, peu importe. Du moment qu'on va pas dans les extrêmes. C'est un peu mauvais. Oh my god. Really? Well, that was bad. Hey!
Good split. Wasn't expecting a gold though. I can still improve this one. By 1 second. I'm still sub 106 pace. Okay, that's good. Bah, j'ai toujours pas essayé. Tu joues régulièrement toi sur online comme ça? Parce que pour l'instant je connais personne qui joue donc. J'aimerais bien un nouvel adapteur aussi, il faut que je me commande un nouvel adapteur. Parce que mon adapteur il est. Il est ok pour Ocarina of Time, mais je doute qu'il soit suffisant pour du mêler. Ou alors je vais juste jouer Marth quoi. Bon, t'inquiète, Bazou, je suis pas très bon non plus. Pourri ce méga flip. Ah.
Non, j'étais bon il y a un moment, mais maintenant je pense que je suis rouillé à fond. Par contre, j'étais pas mal en mode un player, quoi. Tout ce qui était les petits speedruns et le home run contest. Ça, j'égraine ça à mort. Mais c'était il y a longtemps aussi, c'est pareil. C'est comme le vélo, je sais pas. Faut que je retélécharge Skype aussi. Je pense que ça pourrait m'être pas mal utile. Ça fait 6 mois que je me dis qu'il faut que je retélécharge Skype. Putain, j'ai encore appuyé sur B trop tôt. J'ai une mauvaise habitude ici. Ah. C'est con. Oh. Il m'énerve ce goron. What? Putain, c'est bon, je l'aurais RB à ce truc là. B. Oh, il est dégueulasse ce split. Oh putain, je vais tomber. Yeah.
Je crois que mon meilleur temps au Light Arrow c'est 38.03. On en est loin. La Wii U, c'est génial. Tu as eu une Wii U, Bazou? Dis-moi en plus. Je me tâte à acheter une Wii U ou pas là. La Wii U sur le gamepad, tu veux dire, non? Le pack MP8, ok. Moi, si je prends une Wii U, je pense que je prendrais Bayonetta 2. Ça a l'air vraiment pas mal. Tous les gens qui l'ont essayé ont dit qu'il était top. Enfin, tous ceux que je connais, en tout cas. Le gameplay est bien nerveux et tout. C'est vraiment sympa. Ah
Après, le concept de l'héroïne sexy qui se bat avec ses vêtements en cheveux contre les anges et les démons qui envahissent tu sais pas trop quoi, c'est un peu bizarre, je dois l'avouer. C'est intriguant. Et je sais pas trop si le concept de l'histoire et tout, enfin le background, si ça peut être bien ou pas, mais c'est intriguant. Ah, les DLC, c'est relou. Bon, encore qu'ils se foutent pas trop de notre gueule, enfin, en tout cas, les DLC Mario Kart 8 ont l'air quand même pas mal. Ils ont l'air pas mal quoi. T'as l'air d'en avoir pour ton argent, donc c'est pas mal. Sachant que MK8 avait déjà pas mal de contenu à la base, c'est honnête, je trouve. Je trouve que c'est honnête. Rail Warriors, après, je sais pas trop ce que ça donne, mais. J'avoue que Wind Waker HD, ça peut être sympa de le faire. Putain, ouais. Mais ça, mon problème, moi, si j'achète une Wii U, je vais craquer pour plein de jeux après. C'est obligé. J'avais fail. Okay. Salut Ama. Yo. Hey Jekene, Psy, yo. T'inquiète, Ama. C'est toujours un beau glitch quand même. Salut Babast, merci. Après réflexion, Ama, j'ai réfléchi. De toute façon, je pense que ça vaudrait pas le coup de toute façon, parce que si tu vas acheter la tunique, merde, c'est quoi ce bordel. Il faut quand même que tu remontes après pour faire le Darunia Death Skip en fait. Parce que du coup, la porte est fermée. Donc ça fait utiliser une bombe encore. Pourquoi tu m'attaques pas, enculé? Ouais. Elle va trop vite. Le fait ouais, de remonter, bon certes t'as le hookshot donc ça devrait pas prendre trop de temps, mais. Je doute que ça vaille le coup. Peut-être que c'est quelques secondes plus rapide. Mais c'est beaucoup plus dur quoi.
100% par contre, j'en ai aucune idée. Tu devrais tweet ton truc à ZFG. Ouais, j'ai vu Psy. Bon, c'est pas une surprise, hein. Pareil, hein, IQ c'est pareil, c'est plus rapide que SC. Est-ce que ça veut dire pour autant que les gens vont runner ça sur N64? Ça sur une 64, c'est CMA et encore ZFG. Peut-être qu'il ferait des runs une 64 de Norban Rover 24. Mais honnêtement, je sais même pas s'il pourra choper le WR. Dans tous les sens, y a moyen. Hey, Skatrax. This is a good run, I guess. It's not amazing though. I made a lot of mistakes. Fire temple is going well, so who knows? ZFG, les seuls records qu'il a pris, c'est en utilisant une version plus rapide que tous ses autres concurrents, à chaque fois. Pour 100% Old Dungeon, Cannonless. Et donc là, nous, Urban Rangwarp, c'est le fait. Non. Ouais, bah basta. Il y a certains glitches que tu peux faire seulement sur un 64. Ils font gagner beaucoup de temps.
Après, une 64, c'est pas tout rose, hein. Bah, t'as certains glitches que tu peux pas faire non plus, de base. Mais bon, ces glitches, c'est vraiment mineur. Tu as aussi beaucoup de lag, donc faut faire des strats pour réduire le lag, c'est loin d'être toujours évident. Mais bon, avec tous les lags et... Enfin, la N64 est plus lente de manière générale. Les temps de chargement sont un peu plus longs. Le pose buffer est dégueulasse. C'est vraiment une version qui est pas fun à runner, quoi. S'il a le record N64, c'est parce qu'il est passé sur une version japonaise alors que RG jouait sur la version américaine et qu'à l'époque RG dominait largement ZFG. Et c'est la raison pour laquelle RG a un petit peu arrêté le speedrun de 100% en tout cas, s'il n'avait pas de compétition sur la version anglaise. S'il avait continué, je suis pas sûr que ce serait le même RG aujourd'hui. Ok, faut que je me concentre un peu. Oh fuck. Super Saiyan dommage, je le fais pas parce que je déteste le... ce Super Saiyan ici et je l'ai jamais réussi une seule fois je crois. Donc je m'emmerde pas à le faire. Le Mega Flip j'ai jamais essayé, je le connais pas donc... Je sais que cette pièce je la fais très lentement, il y a sûrement moyen de la faire plus rapide. Je suis très mauvais dans le temps du feu. Ah main mais je sais pas où. Tu vois, je sais pas où le méga flip. Après ouais c'est sûrement très simple. Hein. Mais j'aime pas cette room. J'aime pas du tout.
Oh, il est à Ganondorf, Marco. Il peut sub une 23. Nice. Bon, ça y est, il paraît que tu fais du MST à la fin du mois. Je vais faire du MST à la fin du mois aussi, je pense. Peut-être même avant. Enfin, commencer à pratiquer avant, en tout cas. Parce que du coup, si la run N64 est plus rapide pour Noirburn en noir, et si les gens switch, genre si Molotov switch en N64, ou si ZFG fait du Noirburn en noir, je vais plus faire de Noirburn en noir, je pense. En tout cas, pas pendant un moment. Enfin, ça motive pas à améliorer, quoi. Ouais, Glitches, je ferai après. Je pense. Ou peut-être en même temps. Glitches et MST, tu peux faire les deux en même temps. Ouais, c'est Bono qui m'a dit que tu faisais MST après. C'est cool. Bah maintenant que j'ai capté comment faire Volvadia, j'ai réappris le Fire, j'ai appris la Darunia Kitsen Skip. Avec cette catégorie là, donc c'est cool. Oh non, ta gueule toi. Ok. J'ai plus grand chose à apprendre pour le MST. La boss qui skip du forest avec le marteau, je sais pas du tout comment ça ressemble. Enfin, comment ça se fait. Faut que j'apprenne ça. Je pense que c'est le prochain truc que je vais apprendre. Et aussi, tout le segment water, il a carrément changé depuis la dernière fois que je l'ai fait. Donc... Non, je pense pas que Molotov va switch non plus. Il a dit ça, Marco. Bah, ça fait une catégorie de moins qui est bonne à René, quoi. Il reste MST, Glitchless et Norong Warp. Je sais pas encore ce que je vais faire, je vais probablement ledge clip, ouais. Ça a l'air easy. Oups. Okay.
Je suis obligé de le faire à la bombe. C'est trop bizarre de péter ce sol avec le marteau. Je le fais dans mon PB, mais j'ai beau refaire le même setup, ça marche pas. Là, j'ai fait un setup différent, ça a pas marché non plus, mais je sais pas, c'est trop chelou. T3D strat, it's a kind of new strat. It looks like a lot the OT3D one, but it's different. But yeah, it kind of works the same way, I guess. I'm not sure. But like, I know in OT3D you have to use iron boots, I think. But you can't with this game. Nice. One oh 5:12. Okay. World record hype. Kappa. Des insectes à lâcher, Psy. Je pourrais garder un poisson pour faire le bottle of eye, mais ce serait plus lent, non? Il me semble que le moyen le plus rapide de faire le OI, c'est le kiss. OI. En tout cas, dans cette catégorie, ça se porte très bien, parce que sinon, tu devrais RBA une troisième bottle. Enfin, une deuxième, je veux dire. Thanks, merci les gens. Mais c'était pas super super comme run, la fin était pas mal. Je suis à presque une minute de mon sum of best, mais mon sum of best est pas super super. Tu es sérieux Psy? Tu backflip, tu lâches les insectes, ça marche? Je connaissais même pas. Dans tous les cas, je pense que le truc avec ouais, avec la chauve-souris, c'est mieux. Une 23-02 pour Marco. Ah, il doit être dégoûté. Mais bon, au moins il chope des nouveaux splits.
Salut Foufou, merci. Bon, j'ai le choix. Soit je fais du Urban Renoir, soit je rerun, soit je fais du practice en MST, mais ça me motive pas trop. Je pense que je vais rerun en fait. Essayer de sub 105. Parce que bon, il y a de la marge quand même. Windy B, j'avais moins 2 minutes 29. Hier, j'avais un run, j'avais moins 3 minutes 10. Enfin, j'ai fait, il a plein d'endroits. Cette catégorie est vraiment géniale. Hey Davin, it's okay, I'm going to do another run, I think. Ouais, ça et qui regarde le stream mais qui sait pas lire ce qu'il y a à l'écran. 10408. Mais tu vois, j'ai fait 4 pestes sur ce run. Je suis sûr que je peux gagner 10 secondes sur le dernier split parce que le truc du marteau, je l'ai raté complètement. Mon Kisoa il était pourri, mon Doom Jump était pas parfait. Mon Fire, je peux l'améliorer encore. Alright, I'll do another run. Faut que je regarde mon PB là, comment il fait? Enfin mon PB, mon ancien PB. Yo Bonoro, THX. Alors, voyons voir. Le trick le plus mystérieux de Ocarina of Time.